Aujourd'hui, je vous présente une voiture exceptionnelle, plus rare qu'une Ferrari F40 et paraît-il la Ferrari la plus bruyante à jamais être sortie de l'usine de Maranello d'origine. Ça, vous inquiétez pas, on va le vérifier. Chez Ferrari, il y a eu la 430 Scuderia, il y a eu la 458 spéciale, il y a eu la 488 Pista, mais avant, il y a eu la 360 Challenge Strada. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason. You throw it out, you stop caring about it. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard. But sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de retour sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés. Pour les nouveaux, moi c'est Thomas. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Vous pouvez me suivre sur TikTok et Insta. Et puis si vous aimez la 360 Challenge Stradale, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. C'est parti, on va vous la présenter. Et pour l'occasion, aujourd'hui je suis rejoint par nul autre que le propriétaire de la voiture. Salut Armand. Salut Thomas. Merci. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Merci de faire cette présentation de cette... voiture spéciale et mythique, si je puis dire. Écoute, je pense qu'on va passer un beau moment et je pense que t'es pas prêt parce que niveau sonorité, je pense que t'as rarement fait quelque chose comme ça. Ouais, j'aime bien les voitures qui sonnent pas mal. Mais en plus, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on fête un anniversaire. Effectivement, c'est ses 20 ans. Elle a 20 ans en mars et elle est de mars 2004 et nous sommes en mars 2024. Donc si mes calculs sont bons, ça fait bien 20 ans. C'est quand même beau, hein, 20 ans. 20 ans, on dirait qu'elle en a même pas 10, effectivement. Elle a pas pris beaucoup de rides, elle a très très bien vieilli la 360 et la Stradale en particulier. Juste un petit récap quand même de la gamme 360 chez Ferrari. Il y a eu la 360 Modena entre 1999 et 2004. 2005, il y a eu des Spider qui ont été produits en 2005. Et sur la fin de la carrière, il y a eu la 360 Challenge Stradale qui a été produite entre 2003 et 2004. Et son nom, il est différent. Modena, ça fait écho à la ville de Modène. Et Challenge Stradale, dedans, il y a Challenge. Parce qu'en fait, la 360 Challenge, c'est encore une autre voiture. C'est une voiture de course qui fait partie du programme de course maison de chez Ferrari. Le Ferrari Challenge, en fait, il y a des voitures de course. Donc, il y avait une 360 Challenge, une voiture de course qui courait sur circuit uniquement, pas homologuée route. Et Ferrari a produit cette 360 Challenge Stradale, qui est une version, en quelque sorte, homologuée route de la voiture de course. Beaucoup de gens pensent que c'est la première voiture, beaucoup de gens pensent que c'est elle qui a inauguré le programme un petit peu plus sport sur les berlinettes à moteur central chez Ferrari, mais c'est pas elle. Avant elle, il y a eu la 348 GT Competition, c'était elle la première Ferrari à être préparée un petit peu pour être plus hardcore, plus pistarde. Rarissime, 50 exemplaires de la 348 GT Competition. Et ensuite, ils en ont produit beaucoup plus, mais celle-ci, elle reste ultra rare. 1200 exemplaires. C'est 1200 ça. Exemplaires, c'est plus rare qu'une F40 quand même. Et il est temps de vous la montrer dans les moindres détails parce que c'est vraiment les détails et peut-être la conduite, mais ça, je pense qu'on va le voir après, qui rendent cette voiture spéciale. Ben, on va commencer par la couleur quand même. Parce que, alors, c'est un petit peu difficile de le montrer sur la caméra, mais c'est la première fois que Ferrari présentait cette peinture, le Rosso Scuderia. Scuderia. Exactement. Tout le monde connaît le Rosso Corsa qui est un petit peu plus foncé. Et pour la petite histoire, en fait, le Rosso Scuderia, c'était une peinture qu'ils ont faite en Formule 1 à partir des années 2000, parce que jusqu'avant, leur Formule 1, elles étaient peintes en rouge, mais un rouge à peu près normal, un peu Rosso Corsa. Et en fait, à la télé, Ferrari, quand ils voyaient leur voiture, ils disaient « Mais franchement, c'est bof, on dirait à la télé qu'elles sont marron, qu'elles sont bordeaux, alors qu'elles sont peintes en rouge. » Et donc, dans les années 2000, ils ont sorti cette peinture pour leur Formule 1, une sorte de rouge qui tire vers le orange, presque très fluo. Et là, à la télé, voilà, c'est les Ferrari, l'époque Schumacher, tout ça, elles étaient bien rouges à la télé. Et ensuite, ils l'ont passé pour la première fois sur des voitures de route, sur la 360 Challenge Stradale, le Rosso Scuderia, qui est désormais disponible sur toutes les Ferrari. Donc, iconique aussi sur cette voiture, on a la bande centrale qui est peinte, hein, c'est pas un sticker. Il y a certaines voitures qui l'ont pas. Toi, tu préfères avec la bande? Je préfère avec la bande, c'est ce qui la caractérise et on reconnaît plus facilement une Stradale à la bande qu'une 360 de base, si je puis dire. La 360 Modena, elle est différente déjà, oui, elle a pas la bande. Tout à fait.
Ils ont changé pas mal de choses esthétiquement. C'est assez subtil pour la reconnaître quand même. Si elle n'avait pas la bande, faudrait être un petit peu plus connaisseur. Mais les d'une rétro. Part, on a des magnifiques rétros en carbone qui sont extrêmement fins. Et ça, pour le mettre sur une 360 Modena, c'est un petit peu compliqué. Ça doit coûter 15 000 euros les deux rétros, un truc comme ça. Ça doit être ça, ouais. On a un nouveau pare-choc à l'avant qui est plus sculpté, plus proéminent en bas. On a aussi des bas de caisse qui sont différents, c'est très subtil. Oula, oula. Il est de la région, lui, c'est je pense. C'est les 24 heures du Mans. Ouais. Les 24 heures de la Turbie, là. Exactement, 24 heures de la Turbie. Les petits bas de caisse ici, les jupes latérales, précisément sous les portes ici, elles sont un petit peu évasées. C'est très subtil, mais ça assoit vachement la voiture. En parlant d'asseoir la voiture, elle est 15 mm plus basse qu'une 360 Modena. Donc ça réduit l'espace au-dessus des roues. Ça participe quand même, les petites jupes, j'adore, au côté plus sportif. On a des plus grandes jantes, elles passent à 19 pouces sur la Challenge Stradale. Ouais. La Modena, on avait les jantes à 5 bâtons que tout le monde connaît. Et c'est la Stradale qui a introduit ces jantes, qu'on retrouve sur certaines Modena. C'est ça, mais, ça et aussi sur les 430. Et sur les 430, tout exactement, à fait. Exactement, parce que c'était des jantes en option et certains propriétaires de 430... à la livraison souhaitait les jantes de la Challenge, parce que c'est vrai qu'elles sont très très belles ces jantes-là. Iconique. Voilà. Ça, c'est l'entrée caractéristique de la Modena qui a été un peu reprise sur la 430 après. Pour reconnaître une Challenge Stradale, à l'arrière, on a un petit béquet sur le capot moteur qu'il n'y a pas sur la Modena. Et aussi cette grille, la grille Challenge Stradale en fait, qui était en option, je crois, après sur les Modena. Tout à fait. À l'époque où celle-ci est sortie, je pense que Ferrari s'est dit on va aussi la proposer en option, parce que sur les Modena, ça c'est peint couleur carrosserie, normalement. Là, c'est une grille, donc je pense que le moteur il respire un petit peu mieux avec ça. Tout à fait. Ça évacue l'échappement, surtout. Un peu de chaleur. L'échappement, on va reparler de l'échappement. T'inquiète pas. Et au-dessus du moteur, tout l'encadrement est en carbone avec des petits trous. Pour le faire respirer, on peut l'ouvrir d'ailleurs le capot moteur. Bien sûr. Il faut quand même montrer cette baie moteur qui est tout en carbone. Alors là, c'est l'œuvre d'art quand même. Le V8, 3,6 litres, même cylindrique sur la Modena, un petit peu plus puissant, il fait 25 chevaux de plus, donc 425 chevaux. Exactement, si 425 chevaux. Et 400... Même couple. Mais il n'y avait pas besoin de rajouter beaucoup de puissance parce qu'ils ont gagné énormément de poids. C'est ça. Et c'est ça l'intérêt de la CS. Et regardez le petit détail, c'est que comme c'est ouvert ici, et ben, quand il pleut, l'eau tombe dans la baie moteur, mais ils avaient fait une petite gouttière Ferrari, la petite gouttière en carbone. Si ça, c'est pas magnifique. Et ce qui me frappe aussi, c'est la taille du moteur par rapport à la taille de la baie moteur. On aurait pu mettre un V12. Le moteur, on dirait qu'il est minuscule. Bon, après, il est inséré très très bas et très très en avant. Mais il y a énormément de place autour. Mais c'est magnifique, c'est en rouge avec la petite plaque au carbone, avec le logo Ferrari, enfin les détails sont très sympas. Les boîtes à air en carbone, et puis l'échappement, qui n'est pas en carbone pour le coup, mais qui est là, et les sorties qui arrivent ici. Les sorties sont un petit peu différentes de celles d'une Modena, avec la petite collerette là, comme ça. Mmh. Et l'arrière aussi, en bas, le pare-choc arrière et le diffuseur, est plus sculpté que sur une Modena. Et puis vraiment, si vous êtes prêt, pour vous aider, il y a un petit indice, il y a un badge Challenge Stradale. Hop, on referme. Elle a extrêmement bien vieilli, hein, quand même, ses courbes, c'est magnifique, il n'y avait pas d'aileron, il y a... La simplicité, ça vieillit toujours mieux que choses assez extrêmes. C'est ça, et puis le designer que tout le monde connaît forcément, Pininfarina, ouais. Qui lui a dessiné cette voiture, qui est aujourd'hui, un grand nom dans l'automobile. Et donc la 360 Challenge Stradale, c'est un des bijoux aujourd'hui de Ferrari, une des raretés. C'est une voiture très rare, quand même 1200 exemplaires. C'est ça. Ce qui fait plutôt son exclusivité, et aujourd'hui, pourquoi elle est recherchée, c'est que c'est un des modèles les plus excitants, bien qu'elle ait 20 ans. Exactement. Ça se voit pas forcément au premier coup d'œil qu'elle en a 20 ans. Non, elle est un petit peu méconnue, entre guillemets, du grand public, parce qu'une Challenge Stradale, pour les gens, ça reste une 360 Modena. Après, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, on sait que c'est un modèle assez particulier, et tu l'as bien souligné. Ce qui en fait sa rareté, c'est le nombre d'exemplaires, tout en sachant qu'aujourd'hui, on a du mal à estimer le nombre qu'il en reste en circulation, mais il en reste beaucoup moins. Moins de 1000, tu disais. Voilà, moins de 1000, effectivement, avec les accidentés. Et après, la plupart de ces voitures-là, comme c'est une très belle cote montante, sont plutôt dans des collections privées et sortent très très peu, donc on en voit assez rarement. Et c'est vrai que elle attire quand même la curiosité par rapport à la sonorité qu'elle provoque. Ah ouais, la sonorité, franchement, restez dans cette vidéo parce que ça va être vraiment une grande vidéo. Et
On n'est pas responsable si à la fin vous avez des acouphènes ou s'il y a des brides d'enceinte ou de caissons de basse. Tout de suite, avant de la démarrer, on vous prévient. Ça, c'est fait. Pourquoi Challenge Stradale? En fait, Ferrari a fait une cure d'amaigrissement sur cette voiture par rapport à la Modena. Elle pèse 110 kg de moins qu'une Modena, qui est déjà une voiture très légère par les standards actuels. Celle-ci a vide 1280 kg. C'est extrêmement léger. Et ça, ça a été obtenu grâce à l'emploi massif de fibres de carbone et de matériaux composites. On en a notamment dans le pare-choc arrière, dans les jupes latérales en bas des portes et aussi au niveau du pare-choc avant. On a un petit invité, mais il est rouge, ça va. Ça passe ? Ça va, ça passe. Donc pare-choc aussi avant en fibre composite, rétro en fibre de carbone. Et il y a eu beaucoup d'améliorations techniques. Le moteur hérite de technologies issues du moteur de la Challenge. On a des freins céramiques de série sur la Challenge Stradale. Je me demande, c'était même pas une option sur la Modena. Non, c'était de série, effectivement. C'est d'origine. Et sur la Modena, je veux dire, on pouvait pas avoir... Non, sur la Modena, non. Il n'y avait pas de céramique de sortie, même en option. Donc la céramique, à l'avant, elle a les freins céramiques de la Ferrari Enzo, qui est quand même sortie à peu près à la même époque, hein. Frein céramique de la Enzo, et aussi à l'intérieur, vous allez voir, c'est assez spectaculaire, l'intérieur, il est plus pareil. Oh, le bruit de la porte, c'est un clash G. C'est vrai que quand tu ouvres la porte, et quand tu la fermes, assez mécanique. Porte intérieure de la porte, tout en carbone, il y a juste ici un petit levier pour actionner le mécanisme pour ouvrir la porte. Baquet carbone. Alors celle-ci dispose de l'intérieur cuir. De série, c'était full Alcantara, parce que l'Alcantara, c'est aussi plus léger que le cuir. Mais on a des baquets carbone et ça a été totalement dépouillé. On n'a plus d'autoradio, on a une console centrale qui est totalement différente avec le magnifique bouton start, un petit bouton LC, c'est pour launch control, mais clairement sur celle-ci, il vaut mieux pas l'utiliser, sinon tu flingues la transmission. Du carbone aussi autour des contrôles de climatisation. Un volant qui est assez spécial parce que bon, il est bicolore et surtout les palettes, c'est un petit détail amusant, elles font pas la même taille. La palette pour passer les rapports supérieurs est plus grande. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Je sais pas. Moi non plus, on n'en a aucune idée. Donc si vous savez pourquoi la palette de droite est plus grande, éclairez-nous dans les commentaires, on est très preneurs et on lit tout ça. Merci. Baquet qui ressemble aussi étrangement à ceux de la Enzo. Hein. Je me demande, c'est pas les mêmes sièges que dans la Ferrari Enzo. Hein. C'est très probable. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est possible. Ce qu'on retrouve ensuite sur la Scuderia, sur la spéciale, c'est que ça a été tellement dépouillé, on le voit surtout côté passager, qu'en bas, ici, on voit carrément les soudures du châssis. Ils ont enlevé toute l'isolation, toutes les garnitures. On a juste une sorte de tapis de chantier par terre et des soudures apparentes. Un pédalier qui est taillé dans la masse d'acier ou d'aluminium, on dirait plutôt de l'acier. Pédale d'accélérateur très fine, vraiment le strict minimum. C'est léger. C'est léger. C'est puissant. Franchement, ça marche très très bien. Après, c'est vrai que le poids, il fait pour beaucoup. Après, on sait tous que la sonorité de l'échappement provoque plus de plaisir que la puissance. Je ne l'ai pas acheté pour la puissance, mais c'est vrai que je pense que d'origine, c'est très certainement la Ferrari la plus bruyante. Et alors celle-ci aussi, petite particularité juste avant de partir, celle-ci est classiquée. Exactement. Classiquée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a été chez Ferrari en Italie. C'est ça, à Maranello. Chez les experts Ferrari de chez Ferrari. Oui. Et elle a subi un examen complet, mise à nu, examen de chaque pièce, pour dire que tout est 100% d'origine. C'est ça, exactement. Classiquer chez Ferrari, ça coûte une petite fortune à faire pour certifier ta voiture. Et on peut ouvrir le coffre. Bien sûr. Parce qu'il y a un petit... On te met un... C'est comme un carnet de santé de la voiture. Elle a un passeport. Elle a tout ça dans une petite mallette. Ça, les Italiens savent faire. Ah oui, aussi, petit détail, les badges sur les ailes, ils étaient de série sur la Stradale. Exactement. En option sur la Modena. Bon, c'était pas pour le poids, parce que t'as vu la brique que c'est. Ouais, le badge en métal. C'est très joli. Là, on a la petite étiquette qui rappelle... La couleur d'origine, Rosso Scuderia, le code, etc. Et le coffre, qui accessoirement est immense. Ouais, je pense que je rentre dedans sans problème. Oui, je pense. Et donc là, on a les petites mallettes. Ouais, il y a tout. Ça, c'est quoi ? C'est sa trousse à outils d'origine. Ah, la trousse à outils. Donc, c'est vrai que c'est aussi recherché. Et ça coûte un petit peu d'argent, parce qu'elles ne sont plus beaucoup à l'avoir. On peut dire combien coûte la trousse à outils ? Je crois dans les 8000 euros. Ouais. C'est incroyable. On va dire des Chaque choses, mais je crois outil que est estampillé Ferrari. Tout ça, c'est des éléments d'origine. Enfin, voilà, la petite trousse à outils. Là, on est chez les Italiens. Hein. Et là, on a vraiment le passeport de la voiture. Exactement. Alors, classique, ça s'écrit classiche, mais c'est italien. Et voilà, son petit passeport. Vraiment le petit passeport de la voiture. C'est ça. Avec les tampons de je ne sais où, de Maranello. De Maranello, sûrement, en fait. Tout à fait. Incroyable. Maranello.
Incroyable. Le 15-07-2022. Et donc, il y a plein de photos de toutes les pièces mécaniques. C'est vraiment un dossier complet. C'est ça. Il y a l'histoire de la voiture dessus. L'histoire de la voiture, toutes les options. Voilà, toutes les options et tout ce qui permet de contrôler les points d'authenticité du véhicule. Et puis là, effectivement, donc, comme on le disait au début de la vidéo, 2004. Date de naissance. Voilà, c'est ça. C'est son date anniversaire. Date de naissance, taille, couleur des yeux. On est vraiment... Grosso scoop derrière, voilà, donc on ne s'est pas trompé. C'est déjà pas mal. Photos des pièces. Des numéros de châssis, des palettes, etc. etc. C'est... Voilà. Vraiment la bible de cette voiture. Exactement, en particulier. Tout à fait. Et voilà, celle-ci est 100% originale et l'échappement est totalement d'origine. Alors celle-ci en particulier dispose de l'échappement Race, mais qui a été installé par Ferrari. Et c'est tout simplement la voiture d'origine qui fait le plus de bruit au monde. On va écouter ça. Le bruit du ralenti, ça c'est le ralenti, c'est n'importe quoi. Bienvenue dans la 360 Challenge Stradale, on y va. Et ça c'est d'origine. Comment c'est possible? Je passe à 5500.
métallique et... Oh là là, je vais perdre de l'audition côté droit, c'est sûr. Obligé, à la fin de cette vidéo, ne me parlez plus, je vous entends plus. Qui a 20 ans, ça marche quand même plutôt pas mal. Ouais. Elle est très légère. Hein. Très légère, on sent même le train avant, des fois qui est un petit peu flottant, le fait qu'il n'y ait pas du tout de poids du tout. Et c'est vrai que à la base, c'est une voiture de circuit homologué route, comme tu l'as notifié tout à l'heure. Elle a même été créée sur circuit, cette voiture. C'est vrai que c'est dingue de se dire qu'il y a ça qui roule avec un échappement comme ça sur la route. C'est dingue. Contrairement à la voiture de circuit, celle-ci a des pneus beaucoup plus étroits et beaucoup plus étroits aussi que ce qu'on retrouve sur les voitures modernes. Je crois qu'on a 225 de largeur à l'avant, 285 à l'arrière. C'est très étroit. Aujourd'hui, sur les sportives, on a au moins 300 à l'arrière la plupart du temps. Là, l'arrière peut être joueur, faut faire attention. On a aussi un anti-patinage qui date d'il y a 20 ans. Donc si la route est humide, faut faire gaffe. À sortir sous la pluie, très honnêtement, moi perso je le ferai pas. Tu prends autre chose. Je prends autre chose. Effectivement, c'est pas vraiment une voiture qui est faite pour rouler sous la pluie. En plus, comme c'est propulsion, c'est vrai que c'est quand même assez joueur. Le petit coup de première. Allez, je suis obligé, il n'y a pas beaucoup d'empattement pour que ça braque. Allez, le niveau maniabilité, c'est pas incroyable. On va dire que pour rouler tous les jours, c'est pas fait pour, honnêtement. Et puis, c'est une voiture, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'embrayage est assez fragile sur ces voitures-là. C'est des voitures qui détestent les bouchons, c'est des embrayages qui s'usent assez vite. Et vu la boîte et les à-coups qu'elle met, c'est pas vraiment étonnant. Mais c'est pour ça, c'est pas fait pour sortir tous les jours. Et, avoir une autre auto à côté. Ce que je disais tout à l'heure, le launch control, je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a utilisé sur cette voiture, parce que tu le fais deux fois et après la boîte elle explose. Exactement. Showtime. Alors, en prenant des précautions, parce que on partage la route quand même, hein. On n'est pas tout seul. Effectivement. Mais le niveau sonore de base, en short shiftant, est déjà indécent. Et ce qui est agréable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est sur des voitures qui s'apprécient sans aller vite. Aujourd'hui, la dernière C63S hybride, t'es obligé de taper dedans, de te faire des launch control, des 0 à 100, etc. pour t'amuser. Là, non. Là, 70 km/h, 4ème, 3ème. Et alors ouais, c'est ferme, hein. La suspension, elle a été raffermie par rapport à la Modena. Pour le sport, c'est mieux. Pour la route, ça va être un peu plus rapidement fatigant. Et là, ça réveille, ça. Oh là là. Les rétrogradages sont d'une violence. Ça pétarade, ça chante, ça hurle. C'est délirant. Ah, une autre Ferrari. Alors qu'on passe l'autre Ferrari là devant. Je pense que Thomas est concentré. Ah ouais. On est quand même sur une voiture qui a 20 ans. Les pneus, ils ont pas 20 ans mais ils sont pas tout jeunes. Oh là 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 là, elle s'exprime la voiture. C'est délicieux. Et tout à l'heure quand t'as démarré, j'ai entendu la voiture démarrer d'un peu plus loin tout à l'heure quand on était dans Monaco. De loin, elle fait un peu le bruit d'une Enzo, je trouve. Ouais, à certains régimes, sur certaines notes, je sais pas si certains entendront la même chose que moi, mais il y a une résonance caverneuse qu'il y avait un peu dans la Enzo. C'est vrai.
Moi, ce qui m'intéresse de savoir, Thomas, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est l'essai le plus bruyant de la chaîne? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais l'essai le plus bruyant, je pense pas. Ah. En revanche, l'essai stock le plus bruyant, de loin, oui. Ah, plus bruyant, il y a eu une 458 spéciale avec un échappement Frequency Intelligent et ça criait beaucoup plus aigu que ça. Et là, vraiment, ça te perçait les tympans. Et je pense que la Palme se bataille entre la M3 E92 de mon pote Marchettino qui avait un échappement libre. Okay. Ça, c'était inédit. Bien sûr. Et une GT3 RS 991 avec l'échappement JCR. Ouais, je connais bien. Ça, c'est la voiture, la RSR du Mans, c'est le même bruit. C'est vrai que ça chante bien. Mais ça, c'est d'origine. C'est ça la différence. Tu vois, là, je suis à 30. C'est pas possible. C'est... Et je caresse les gaz, là. Et la première tire longue. Hein? La première, elle tire longue. Ouais, elle est pas mal, ouais. C'est qu'on nous entend arriver quoi. Je pense que là on nous entend depuis Cannes hein. Même peut-être Marseille. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on trouve un petit tunnel? On pourrait trouver un petit tunnel, je pense que c'est pas ce qui manque dans le coin. On va mettre un petit disclaimer, attention, parce que sinon on va péter. Je pense qu'il serait intéressant de mesurer les décibels. Ouais. Et je pense que je le ferai un jour. Et surtout l'échappement est homologué. Et l'échappement est homologué. C'est Ferrari qui l'a installé, il y a le classique et c'est tout. C'est ça, il y a tout. Voilà, c'est pas un échappement modifié ou autre, c'est son échappement d'origine. C'est fou. Et quelles sont les réactions des gens quand ils croient à cette voiture pour l'instant? Bah pour l'instant... Ils sont beaucoup comme ça peut-être? Non, ils se bougent pas les oreilles, mais c'est vrai qu'ils sont surpris par la sonorité. Essentiellement, j'ai plutôt des gens qui sont contents de la croiser et qui... Je pense que c'est une voiture qui a un capital sympathie. C'est pas une Ferrari qui est ultra récente, donc qui a le côté un petit peu m'as-tu vu, si je puis dire. Même si j'aime beaucoup les Ferrari récentes. Là, on est sur une voiture qui a 20 ans et elle a un look assez spécifique. Et c'est vrai que c'est ce qui fait tout son charme. Ça commence à être une icône. Hein, c'est exactement ça. Ouais. Tu sais, sur la chaîne, il y a une tradition. Quand j'essaie une voiture, ça s'appelle la tradition du petit muret. Bien sûr. Et regarde, là, on a des petits murets. Allez, fais-toi plaisir. Alors, c'est une petite démonstration, échappement d'origine. Oh, les pétarades! Je savais même pas ça. Très sympa. Allez, on écoute. Peut-être 15 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui on homologue plus autant de bruit, ce qui est normal, je comprends. Mais oui, ça fait la sonorité pour moi d'une Formule 1 d'il y a 15 ans. Ah, j'ai mon cœur qui bat là. Ouais. Toutes les voitures me font pas ça. C'est une voiture particulière à conduire, elle dégage quelque chose quand on est derrière son volant. Je trouve que c'est une voiture qui est stressante et intimidante quand on est derrière sur la position de conduite, etc. Et c'est vrai qu'elle procure beaucoup de sensations. Quoi. Énormément de sensations, d'émotions. Oh là là. Ah ouais, je suis un peu sans mots là. J'ai un peu la main qui tremble même peut-être. Selon le régime, elle joue pas la même musique, c'est agréable. C'est ça. Eh mais alors, on parle des sièges de seconde. T'es extrêmement bien maintenu dedans. Alors, les harnais, ils sont pas pour rien, mais ils sont très enveloppants et confort. En même temps, t'es bien dedans, t'es bien maintenu. Ils font pas mal au dos. C'est assez rare, hein, ouais, les sièges. Bah, le fait qu'il y ait le cuir, qu'il y ait un cuir assez matelassé et assez épais, c'est vrai que ça la rend confortable. C'est pas une Rolls Royce, mais... On n'est pas dans une classe S de chez Mercedes, je te l'accorde. Mais c'est pas mal. Mais c'est quand même... pour faire de la route, c'est pas non plus catastrophique. Quoi. Petit tunnel. Il n'y a pas eu d'effondrement derrière nous, j'ai été soft. On arrive sur un deuxième tunnel qui est un petit peu plus violent. Attention.
Il n'y avait pas le lift de cette époque-là. Non, il n'y avait pas le lift, c'est pour ça que je prends les Dodanes de biais. Elle est très basse. Elle est plus basse qu'une Modena. Direction assistée quand même. Direction assistée d'ailleurs qui est assez légère, qui est vraiment sympa la direction. On sent l'avant très léger. La voiture est extrêmement légère. Chose promise, chose due pour conclure cette belle vidéo. Enfin, avant de conclure la vidéo, le Cayenne derrière, je suis désolé, mais on est obligé. C'est vrai que je pense que d'ici quelques années, ça vaudra 500, ouais. 500 peut-être, son pesant d'or, on va dire. Donc tu sais quoi, on va enlever, hop, ces panneaux parce qu'il y a un petit rond-point avec un policier. Ah oui, j'y suis passé tout à l'heure, mais il m'a rien dit. Oui, mais justement, là, on va faire profil là. Quand on enlève le bouton race, ça ferme les valves. Bon, en tout cas, Armand, merci mille fois parce que la Challenge Stradale, c'est un oiseau rare. Donc déjà, félicitations pour cette acquisition. C'est gentil, merci. Je te souhaite des tonnes de kilomètres heureux à son volant. Je pense que ce ne sera pas trop un problème. Non, je pense pas. Et merci mille fois de m'avoir laissé l'essayer parce que c'est juste exceptionnel. Ah, il reste un... On va se dire au revoir sur le dernier tunnel quand même. Les amis, c'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à tous.